Mais, j'attends. Ce n'est plus le genre d'avant. Parce que hein, dans la vie, quand tu as de respect pour des gens qui montent, moi, quand je fais, j'assume. Là où je suis prête. J'ai trop laissé. Vous m'avez traité de porc. Vous m'avez traité de tout. Je n'ai rien dit. Je peux parler aussi en parabole. Vous et moi, ici, sur Facebook. Le piment, c'est vous. Le pédéisme, c'est vous. Les cochonneries, c'est vous. C'est vous qui gâtez la jeunesse camerounaise. Venez vous asseoir sur Facebook, vous allez me répondre. N'envoyez plus vos lieutenants, vous avez trop fait. Vous allez bouffer le Njangui. Vous allez bouffer le Njangui. Voilà, go bouffe dans Njangui. Me, I don't eat what you wanna. I don't know what you, I don't sleep, même room what you wanna. Wana wana go, coupe au back back, faut colancer d'un kill me, wana no du chef, son oh papi ou ce son oh mami, dense son has, na woman di teni has. Son thing de way, if you man picking one do, you woman go say no, no do that one. No do that pavanoman way, wana di pavane. No small respect for our one life. When I know the shame. When I know the shame. Now me when I don't bring when I for Facebook. Now when I do cocon. For sick I say when I go clash me for barbar for parabo. When I do put Din Jangi when I go take Din Jangi. When I Jangi no be small. Now go big na big big Jangi. When I go take down Jangi. Because I don't tire. I don't tire. I don't tire. When I do shoot up for Facebook, say when I do talk big, big French. Eh? Me when I go arrange Cameroon, what you know, when I big French. When I don't hear me, no. When I do do the one when they go and say life. When I put telephone with them coach, then call the telephone, coach me. Me when I don't bring when I for the computer. When I go shame. When I go shame, vous deviez avoir honte. Honte de vous. Hein? J'attends. Je suis prête. Psychologiquement, je suis prête. Physiquement, je suis prête. Je suis prête à tous les niveaux. J'ai trop laissé. J'ai trop laissé. Vous me traitez de porc. Entre vous et moi, qui est plus porc que l'autre? Qui est plus pauvre que l'autre? Hein? Entre vous et moi, vous avez fait des posts sur moi, sur Facebook. Quand vous voyez quelqu'un qui vous connaît, qui me salue, vous commencez à faire les ennemis. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous avez donné le travail à quel Camerounais? On a vu. Moi, je donne le travail. Le travail Facebook. Vous prenez pour les qui? Hein? Vous allez bouffer le Njangui. Parce que trop, c'est trop. On en a marre de vous. On en a marre de vous. Fichez-moi la paix. Vous avez compris? Toi et ta femme, fichez-moi la paix. C'est quoi? Je vous dois quelque chose? Vous me voulez quoi? Hein? Vous faites votre live? Vous prenez le téléphone, vous mettez pour qu'on parle de moi? Hein? Vous faites un lesbien, on a peur de vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi dans la diaspora? Hein? Vous êtes quoi dans la diaspora camerounaise? Vous avez fait quoi, on a vu? Hein? N'importe quoi, vous n'avez pas honte? D'appeler les petites filles, d'appeler les gens de la diaspora pour monter les uns contre les autres? Vous êtes des vampires! Merde! C'est quoi? Renmen, top. Oui, je comprends. Moi, je sais crier. On part. Je sais crier. Je vous attends. Faites le direct encore. Vous parlez de moi. Parlez de moi encore dans vos directs. Parlez de moi dans vos directs encore. Merde! Les gens que j'appelais hier, que mon père, ma mère, vous n'êtes pas honte. Vous n'êtes
palmarès. La tige, c'est que vous-même, vous allez saboter. Je vous dois quoi? Vous allez bouffer le Ndiangui avec le cadeau. Parce que j'ai toujours dit qu'on ne vous clash pas. J'ai tout refusé. Le Tutsi. Le Tutsi. Vous et moi sur Facebook. Je ne peux pas vous continuer à laisser à me traîner dans la boue. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous êtes des banquiers, vous travaillez à la banque, vous donnez seulement 500 euros. Vous n'avez pas honte? 500 euros, c'est quoi? C'est l'argent de deux renards. Jusqu'à vous mettez la pression sur la dame de poster. Poste ce qu'on vous a envoyé. Poste les 519 euros. Pour quelqu'un qui est millionnaire, 519 euros pour aider, c'est trop petit. Je suis désolée. C'est trop petit. Pour quelqu'un qu'on connaît, moi là où je suis assise là, ici aux États-Unis où je suis venue, pour ma cagnotte, on m'a remis en main comme ça. 3 000 $. 3 000 $ que les gens que je ne connais, ni d'Adam ni d'Ève m'ont remis. Que prends. Vous dites que vous aimez trop, c'est qui là-haut? Vous donnez que 500. Oh, chémo! 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 Les enfants abandonnés, c'est vous. Abandonnés au Cameroun, abandonnés à Paris, c'est vous. C'est vous. Oh, loulou, maman, il ne veut pas le taxi le jour de son mariage. Il ne veut pas le taxi le jour de son mariage. Oh, là, venez voir, allez dire. Le Tutsi. Pas les écarteuses et les gringalettes. L'autre là, on a toujours à ce jeu-là. Il fallait laisser que ça reste que entre nous. Mais vous êtes entrés dans ça. Vous allez écoper. Vous allez écoper. Vous ne m'intimidez en rien. Vous êtes entrés dans les histoires de femmes. Donc, ça veut dire que vous-même, vous êtes des fiottes. Vous discutez à sa manière sur Facebook. Je pensais que vous étiez un couple responsable, respectueuse qui était dans son coin. Prenez le téléphone, vous mettez qu'on insulte les gens. Vous qui? Le doigtage de ça dans les toilettes, c'est toujours vous. C'est toujours vous. Maman, parlez de moi encore. Mettez encore le téléphone qu'on parle de moi. Je juge tout ce qui m'est cher. Là où je suis là, je suis prête. Mettez encore le téléphone sur Facebook qu'on parle de moi. Que quelqu'un appelle, il prononce mon nom. Encore dans vos directs. Que les gens aillent faire ça ailleurs. Mais qu'on m'insulte encore dans vos pages. Mettez le direct, vous mettez l'appel, on appelle. Je vais détailler vos vies. Je vais mettre votre vie sur la toile. Et je dirai la même chose tous les jours pendant au moins 5 ans. C'est ce que je vais faire. Si vous ne pouvez pas être responsable, tenir un discours devant les gens que quand vous mettez vos directs, vous avez un sujet, point barre. On parle que de ça, point barre. Les gens appellent pour affirmatif. Affirmatif, vous allez aussi être affirmatif pour vous. Oui, affirmatif. Affirmatif. Bande de racailles. La plus grosse racaille de la diaspora, c'est vous. C'est vous. Vous êtes possédé par les démons. Merde. Vous exagérez. Je vous dois quoi? Vous pensez depuis je ne dis rien? Je dis, je laissez-moi tranquille. Affirmatif. Affirme. Si vous étiez un couple bien, si vous étiez des gens bien, ce qu'il n'y a plus le clash là. Ce que vous avez arrangé, vos petites soeurs, vos soeurs que nous sommes. Parce que même quand tu organises la paix, quand on est une personne de paix, on ne se fatigue pas pour parler de paix. Quand on est quelqu'un de paix, on ne permet pas qu'on insulte les autres, qu'on est quelqu'un de paix. Hein? Instable, les personnes instables en amitié à la diaspora, c'est vous, tout le monde a vu. Vous n'avez aucune personnalité. Vous êtes parti manger, où c'est qui là? Nadège Mbappos qui a demandé le lait de toilette. Ça n'a même pas fait 2 jours, c'était là. Vous étiez à l'anniversaire, vous êtes instable. Et vous avez reçu, pourquoi elle n'était pas avec vous? Pourquoi Nadège Mbappos n'était pas avec vous, avec Bachot? Ils ne vous ont pas reçu.
Pourquoi il n'était pas avec vous le jour de l'anniversaire? Des personnes sans direction, vous n'avez pas honte? Dès que vous voyez quelqu'un qui commente sur vos murs, vous partez inbox, tu habites où? Pour venir derrière rendre visite, pitiation. Allez rendre visite à l'enfant que vous avez abandonné. C'est l'enfant là qui a besoin de vous, ce n'est pas les gens Facebook. On dit que avant de venir parler, commencez déjà à ranger dans vos familles. Moi, j'ai fait trois ans sans parler avec mon frère, même père, même mère. C'est un choix. C'est pour vous dire que dans la vie, j'ai fait trois ans. C'est mon sang. Sans parler, même bonjour, je ne disais pas. Mais aujourd'hui, je parle avec, c'est pas quelqu'un qui commence à parler avec lui. La famille, c'est la famille. Les amis, c'est les amis. Si tu ne parles pas avec ton sang depuis des années, combien de fois les gens qu'on rencontre sur Facebook, hein? Vous prenez pour les qui? Pour vous asseoir toujours organisé derrière pour venir faire comme si vous étiez... Vous n'êtes pas des personnes de paix. Vous n'êtes pas des personnes de paix. Merde. On est où là? Merde. On est où là? Hein? Donato. C'est pas comme si on faisait le... Il a dit que les États-Unis venir ici, c'est pas le luxe. Oui, mais... C'est que... Donne-moi bien le bois, pardon. Oui. C'est pas le vrac. Voilà ça. Mon gars américain. Il est dans les navies. Armée marine. Vous avez compris. Voilà ça. C'est ça qui va vous tuer, les carreaux, les papiers. Vous venez raconter votre histoire là. On va raconter l'affaire de Luc. On va le raconter et je vais raconter la vraie version. Venez me parler quand vous mettez votre direct. On parle de moi. Je raconte l'histoire là du début à la fin, la vraie version. On a donné les papiers à ce garçon. Ma femme était enceinte pour donner les papiers. C'est un ami du gars là qui a reconnu l'enfant. Hein? Ta femme n'a jamais donné les papiers puisqu'elle n'est même pas allemande. Elle a le passeport camerounais. Elle a le passeport camerounais. Elle n'a pas la nationalité. Si je mens, qu'elle vient déposer ses papiers ici. La femme s'est sacrifiée pour donner les papiers à ce garçon. Quelqu'un que tu as trouvé en France, tu viens te sacrifier, tu tombes en scène. Parlez-nous de la reconnaissance. Ils n'ont jamais été mariés. Elle était déjà mariée ailleurs. Elle est tombée en scène, quelqu'un d'autre a reconnu. Comment est-ce que le gars a eu les papiers? Comment est-ce que tu peux donner les papiers à un gars? Alors que toi-même, tu n'as même pas les papiers. Comment tu peux donner les papiers à quelqu'un alors que tu n'as pas? Comment tu peux donner les papiers à quelqu'un alors que toi-même, tu n'as pas la nationalité, tu es marié? Tu accouches, l'ami de la personne qui t'a enceinte reconnaît l'enfant. Comment est-ce que le gars aura les papiers? Ça n'a aucun sens. Parce que pour qu'un enfant donne les papiers, quand vous êtes un couple qui n'a pas de papiers, pour qu'un enfant caolotise, parce que vous savez qu'elle est tombée enceinte pour son bienfait, pour que l'enfant caolotise le gars, si vous êtes un couple, 200 papiers, la femme tombe enceinte, tu payes. Quelqu'un reconnaît. Ça ne donne pas les papiers à l'homme là. Ça ne donne pas les papiers au gars. Ça te donne toi les papiers. Pour que ça donne au gars, il faudrait que vous vous passez. Il faudrait que vous mariez. Sinon, ça carotise que la mère. Ça ne carotise pas le gars. Donc, les gars même qui payent l'argent ici dehors pour que les filles sans papier, quand ils sont en couple, quand ils n'ont pas de papier, sans gars, n'ont pas de papier. Quand il met même l'argent sur la fille pour payer, c'est pour le bonheur de la fille. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont eu les papiers comme ça, elles changent de version avec le gars. Elles ne donnent plus le chaos au gars. Donc le gars paye même, c'est un risque que le gars court. Il n'est pas sûr. Parce que quand tu payes pour reconnaître l'enfant d'une femme avec qui tu vis, ça donne les papiers qu'à la femme là, ça ne te donne pas à toi le gars. Vous avez compris? Arrêtez de mentir à la nation. Mettez le téléphone. Vous mettez vos sujets de vos vies même. On parle de vous. Les gens appellent pour vous. Hein? Tous les jours, vous appelez. Vous mettez les trucs qu'on appelle. Tu n'as plus une vie là.
Il n'y a pas une bière pour moi. Oui, il n'y a pas une petite bière là. Je vais mouiller ma gorge. Il n'y a que l'eau. Vraiment. Bertini là. Même pas une bière. Non, on va te laisser. Qui va boire l'eau? On part. Je vais boire l'eau. Merci. Moi, je vous dépose au centre commercial et continue. Ah bon? Non, ben. Elle n'est pas encore commencé. Je vais raconter l'histoire que vous avez racontée en vrai. La vraie version. Vous mentez à la nation. Venez mettre le papier, on voit parmi vous qui a la nationalité. Parce que quand tu donnes les papiers à un gars, il faut que tu sois French. Quand tu as la carte de 10 ans, ça donne les papiers. Mais c'est un kaolo qui n'est pas facile. Enceinte, elle est mariée à un blanc jusqu'à 9 mois elle accouche, là on ne connaît pas. Vous mentez à qui? À la nation. On va parler que de vous ici, on a camouflé, on a dit qu'on ne parle pas. Maintenant c'est sur vous qu'on va être. Vous allez bouffer le... Moi même si quelqu'un vient m'insulter n'importe quoi, je signe que sur vous. Maintenant quelqu'un m'insulte, je signe que sur vous. Vos lieutenants font le direct, je fais le direct sur vous. Tout ce qu'ils vont faire maintenant, je parle maintenant que de vous. Parce que c'est vous qui encouragez ça. Je ne suis pas jalouse de votre amitié. Vous êtes libre d'être ami avec qui vous voulez. Mais vous deviez respecter le couloir de tout chacun. On est bien d'accord? On est bien d'accord? Pour mentir aux gens, moi je suis en Europe aussi depuis. Hein. Et c'est qu'aucune femme ne peut être enceinte jusqu'à 9 mois. Elle accouche sans que son mari ne sache. Oh, le mensonge de chat. Je fais un big up à papa Luc Bache, l'homme digne, qui n'a pas jeté son enfant, qui nous regarde actuellement. Big up à papa Luc, big up à cet enfant, un grand footballeur, pas le mbrakata du quartier. Vous allez pleurer, vous allez pleurer, on a go cry, on a go cry. Mi wana wana, abide prête, à di komote, tous les jours, à Goshida. On fait le direct sur moi et fait sur vous. C'est comme ça que ça va marcher. Parce que vous êtes assez mesquine comme ça. Merde! Qui a peur de vous? Depuis, je calme. Quand les petits là veulent faire le direct pour insulter ces gens-là, je dis que non, 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 non. Je me fâche. Vous avez peur de vous? Merde! Chauve-souris vous a lavé. On va parler de l'Allemagne. Vous a lavé aujourd'hui. Vous êtes, elle est votre générale. Vous n'avez pas honte. Pitiation. Maman, moi, quelqu'un me fait ça. Hein. Même si demain on est bien, je ne suis pas obligé d'être bien avec quelqu'un qui était. Non, on fait la paix, mais chacun dans son coin. Vous embrassez les gens parce que tout le monde est obligé de vous aimer. Vous êtes obligé d'être ami avec tout le monde. Hein? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Avec les tchotchons, tchotchons, enfants à la maison, vous faites du mal aux gens. Pitiation! On a gopé! On a gopé! Tout le monde peut crier, hein? On passe par le concours pour crier, hein? Oh, je ne me drogue pas! Elle peut parler aussi jusqu'à demain. Après, boire de l'ifrane. N'importe quoi. Maman, c'est vous qui voulez insulter les gens. Vous-même, vous abandonnez l'enfant en France. Vous êtes. Vous voulez pas l'exemple? Allez récupérer l'enfant que vous avez abandonné! Allez récupérer avant de venir parler aux gens sur Facebook. Oui. Vous êtes quoi? Hein? Quel exemple? Le Cameroun, on est les gens de paix. Machiavélique, vous êtes. N'importe quoi. Je m'en vais moi marcher là-bas au boulevard, là-bas à Hollywood. Merde. N'importe quoi. Les soirées que vous partez, vous ne payez même pas là. Oh! Maman pitiation de ça oh. Squatant de champagne. Et langue en azout.